Yo tout le monde, premier jour d'invocation, donc le défi c'est d'invoquer seulement les 40 invocations par jour pour récupérer un maximum avec via les events de compensation. Et puis du coup premier jour, premières invocations. On va commencer tranquillement à invoquer sur Iki. Ah, n'oubliez pas, live sur Twitch pas tous les soirs en fait. Faut regarder le planning que je vous mettrai quelque part ici. Mais n'hésitez pas à passer, ça fait plaisir. J'allais dire tous les soirs, au début j'arrivais à dire tous les soirs, maintenant moi j'ai quand même un travail et l'école, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, bah écoutez, on va commencer par des petites singles, on passera par une multi. Je pense qu'on fera une, voire deux multi. J'aime pas trop les multi, moi j'ai pas eu trop de chance dessus. Et puis, voilà, voilà. Bon allez, on va commencer par un truc OZEF, EQ. On va commencer par l'EQ. Donc là... on compte, on a 838, ça veut dire on arrête quand on est à 798 pour avoir les 40. Ok, mid du dauphin, on s'en bat les reins. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a Fizz qui était tombé dessus sur mid du dauphin pendant les random rush. Et mid du dauphin, elle enlève à debuff quelqu'un en fait. Elle peut purifier quelqu'un, c'est un Shiryu ça. Putain, j'ai vu une constellation stylée au début, je me suis dit c'est qui. Après je me suis rappelé que c'était Shiryu. Non, même A pas, c'est même pas pour gratter le temps, hein. C'est juste que j'aime pas du tout, j'aime pas les multis en fait. Je drop jamais, les multis sur ce jeu me foutent la haine en fait, parce que si tu veux, les multis sur ce jeu, elles sont aussi rapides qu'une single en fait. Donc t'as même pas le temps de savourer ton invocation, tu la lâches, tu vois pas ton nom écrit en haut, et t'as déjà la haine, tu vois. T'as déjà la haine. Bon, je voulais choisir les prochaines constellations parce que je sais pas du tout sur quoi me... La dernière fois on avait drop sur cancer. Donc on va lâcher un petit cancer. Alors il est le cancer. Dragon, c'est fait, signe, flèche, saga, chaka, dragon des nerfs, bélier. Bélier, taureau, gémeaux, cancer. Allez, cancer, la multi. Let's go. Est-ce qu'on va pouvoir au moins avoir un S? Et c'est un Camus qui tombe. Osef x1000, je l'ai déjà une fois. Je crois qu'il a eu un Reaper Claw sur la... sur la SEA ou la chinoise, enfin... mais bon... je m'en bats les reins, vraiment, clairement. Bon, ça fait un S, hein, ça fait un S, c'est quand même un S. Mais clairement, je l'utilise jamais, il est toujours level 20 depuis 2 mois. On va passer sur le lion. Comme quoi, la constellation du cancer, elle est pas si mal que ça. Hein. Très bon, un Team Freeze, ouais, avec Pandore qui enlève tous les stats, et puis Araya qui debuff aussi, et puis... et puis aussi les knowing maintenant. On va aller sur Gémeaux, tiens. On va aller sur Gémeaux. Ouais, il a une armure éveillée. Après, je crois que même avec son armure éveillée, il est pas incroyable. Hein. On a eu Shine. Hein. Par contre, niveau Shard, là, c'est pas la joie. Cook, il est quoi? Attends, Cook. Énormément de chance et a obtenu le chevalier S. Allez, dépêche-le. Aphrodite, bon, c'est pas intéressant. Bon, du coup, j'ai fait une multi ce matin. Hein. J'ai fait une multi ce matin pour la célébration. Hein. Chaque fois qu'il y a un portail qui sort, je fais une multi off pour avoir le petit. En fait, je fais une multi off pourquoi? Parce que quand je suis en live. Et que j'invoque, il y a tout le temps le pack qui poke à 2€. Le pack à 10. Et à chaque fois, je dis je vais le prendre après. Parce que quand je le prends sur le live, bah, vous voyez mes coordonnées et tout. Donc c'est pas ouf. Mes coordonnées bancaires et tout. Et à chaque fois, j'oublie de le prendre en fait. Donc maintenant, je le fais offline. Comme ça, je suis sûr de l'acheter. C'est quoi ça? Pourquoi c'est écrit en japonais ou en chinois là? Mais je crois pas que c'est pour moi. Non, c'est pas pour moi. Un doublon du pop, je dirais pas non pour le coup. Un doublon du pop, je dirais clairement pas non. On va
sur quoi on va passer. Bah tiens, elle est où la constellation de Ikki là? Ikki God Close, elle est où? Parce qu'il y a le phénix là, mais ah non, c'est toujours sous le phénix qu'il faut invoquer. Il y a pas phénix armure sacrée comme CA. Si si, je t'assure, la Team Freeze reviendra en force plus tard. Là, elle se répand sur la SE. Ah ok, d'accord. Bon bah écoute, on va dire que c'est mieux que d'avoir à débarrer. Voilà, on va dire que c'est mieux que d'avoir à débarrer. Mais c'est vrai que pour le moment, on va lâcher une petite dizaine de singles sur le phénix. C'est comme la constellation. Ah, j'ai vu le bravo en haut sur la bannière. Pourquoi le bouclier est juste à côté du phénix? Ça fait une feinte pour rien. Mais ouais, c'est une team que j'utiliserai dans 3 mois quoi. Mais en vrai, j'ai même pas monté Isaac pour l'instant, donc c'est vrai que le phénix, je sais même pas comment je vais l'accueillir si je l'ai. Parle mieux. Parle mieux de Albegot. Jamian, là, bon, ça pour le coup, c'est un A, mais bon doublon. Je l'ai pas. Faut que je le monte, donc pour le coup, ça c'est très très bon. On va lâcher encore une multi là, et puis après on lâchera des singles, et puis let's go. Ok. Est-ce qu'on lâche la multi sur le phénix ou la multi sur le. Sur le cancer? Parce que le cancer, on a eu pas mal de chances dessus. Non, et la multi, on la lâche sur le phénix parce que le cancer, j'avais en single dessus. Donc la multi, on la lâche sur le phénix. Bon, vous voyez, il n'y a pas de bannière qui apparaît. En fait, c'est ça que je hais dans ce jeu. C'est qu'il n'y a pas de bannière qui apparaît. Voilà. Voilà. Donc là, je sais, je suis sûr de ne pas avoir de S. Encore un Jamian, deux éclats, c'est pas ouf, deux éclats par contre. Cancer. Où est le cancer? Bon, du coup, on a eu un S aujourd'hui. Bon, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Paye. Parle mal d'Aldé. Bon, par contre, pour le coup, c'est vraiment des crevards hein, sur les chars. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment des giga crevards sur les chars. Hein. Ouais, bon, un double qui sert à rien, du coup. Quitte à avoir des A, autant avoir des trucs qui servent, quoi. Parce que autant les B, voilà. Tous les B qui servent, je les ai montés. Autant les A. J'ai encore quelques doublons de Juzu qui me manquent. Moses qui ne sert plus à rien aujourd'hui. On devait s'arrêter à combien? À 97 ou à 98, je sais plus. Oh le Miskin, il y a eu Krishna le mec. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Pauvre de lui. Pauvre de lui, il est Krishna. Ça me fait rire de voir la bannière en vrai, ça me fait marrer. Ah, il y a un autre mec qui avait Camus, je suis pas le seul ce soir. Oh, parle mieux du god Krishna. Crac, lâche tout frérot. Ouais, ouais, meurs Momo, meurs. Meurs dans la trans sur France. Bon, mon but, c'est clairement là, en fait, de récupérer des shards au cas où je les happe pour avancer, on va dire, la demande de shards en guild. Donc, ça me gênerait pas de l'avoir dans un mois, mais faut que je drop des shards. Bon, la moyenne, c'est une shard tous les 3-4 invocations. En vrai, j'ai pas compté à combien j'ai eu. J'ai pas compté. Je viens de faire une single sur la SEA. J'ai une nouvelle... Ah, t'as une mini GG, frérot. Bon, quand ça va vers le haut, vous savez que ça pue. Hein. Il y a que Xiaoling vers le haut, en fait, et il y a Geki aussi. Donc, vous savez que ça pue quand ça va vers le haut. Bon, la dernière single pour aujourd'hui. Bon, en vrai, je parlais des shards pour l'instant, ça va, on a un bouton là. On a un bouton. Inch'Allah, Ikki à la 99ème multi. T'as ouf, toi, 99ème multi, ça fait 1000 cristaux. Je vais en utiliser 280. Allez! Allez! Bon, la bannière, elle casse tout. Hein. Faudrait un moyen de désactiver la bannière vraiment parce qu'elle casse de ouf la hype d'invocation. Hein. T'invoques, t'as même pas encore vu la constellation que ça tue la hype dans l'œuf, quoi. Bon, voilà pour les invocations d'aujourd'hui. Et Yannick qui arrive à la fin, salut Nick. Deuxième jour d'invocation, donc on est parti. Premier jour, on a eu un S, on a eu Camus. Et puis c'est tout. On a eu des doublons de Jamian aussi.
On prend hein, des dents de Blue Jamon, pourquoi pas, hein, on n'a pas monté tous ses skills et il est très intéressant pour la suite. Mais clairement, on veut... Alors j'aimerais bien quoi? Honnêtement, j'aimerais bien doublon du grand pop. J'en ai pas du tout, donc un doublon du grand pop, ça ferait plaisir. Je le jouerai du coup, parce que là, je joue pas. Sachant que sur Another Dimension, à part de 29% et avant jusqu'à 35%, 34%, avec un seul doublon. Donc, vu qu'il y a 5 persos en face, imaginez, ça passe de 29 à 34% pour chaque pourcentage. Il y aura beaucoup plus de chances pour que ça proc. Donc, bref, je vais lâcher une multi. Si cette multi, il n'y a rien, je vais arrêter de faire des multi au début, parce que ça me porte toujours préjudice. J'ai utilisé ce Sagittaire-là. Parce que c'est ma constellation, mais j'ai jamais rien eu dessus. Et ça continue aujourd'hui. Rien sur le Sagittaire. On a les 10 cristaux. Donc comme d'hab, on va faire nos 40 invocations. On va aller sur Cancer un peu. Cancer. Cancer qui nous a apporté chance. Beaucoup de fois. Donc on va aller sur Cancer. On va aller sur Cancer lâcher des singles. Donc. Si je fais le calcul là, je dois m'arrêter à 53. China, ok, on s'en fout. Je dois m'arrêter à 53, pas de shard. Ouais, je dois m'arrêter à 53, ça fera. Ah non, je suis en ouf, 63. Ouais, 63, faut que je m'arrête. Ok. Faut que je le retienne. 63. Dommage que. Pegasus Godclaw il n'est pas été ajouté, c'est à Godclaw au pool. J'aurais pu avoir un espoir peut-être. Mais ce truc de la bannière c'est trop chiant, hein, parce que quand tu vois pas la bannière tu sais que t'as rien. Vraiment ça m'exaspère. Tu peux pas le désactiver en plus, c'est vraiment une idée de merde pour le coup. On a une shard, donc on est dans les taux niveau shard. Après les multi, franchement en ce moment j'ai que de la D en multi. Bon après en single, bah si quand je drop c'est en single donc je vais pas dire ça. On va changer un peu de constellation, on reviendra sur Cancer pour... Ah enfin quoi, on va faire une dernière single sur Cancer. Et puis on reviendra dessus pour la dernière multi. Du coup... Ah merde, faut que j'arrête la musique pour le record. Pour le record, faut que j'arrête la musique. Hop. Comme ça sera plus facile pour le montage. J'ai oublié de le faire. Du coup, on va faire des petits singles sur le lion, tiens. Parce que j'aime bien le lion. Va sur scorpion, va sur cancer. Vous dites des trucs différents. Tu t'es lancé sur la chinoise, Jibril? Tac, dans la tête du lion, allez. Dans la tête du lion. Salut Marwan. Wesh Ibu, ça va ou quoi, frérot? Yo Eras. Eh bien. C'est pas fameux tout ça pour le moment. Hein. C'est pas fameux. Il me reste 22 poules. Je suis désemparé. Bon après en vrai le taux moyen pour avoir un S c'est vers les 40. C'est entre 40 et 50 poules. Donc bon toujours le bait de Kiki. Ça serait bien qu'il fasse une autre constellation. Qu'il nous fasse pas chier à chaque fois le bélier avec Kiki. Bon après Mu j'ai déjà deux doublons dessus donc en vrai Enfin non, je dis pas non à un autre doublon. Comme ça, je pourrais déblanquer une autre compétence pour aider son 8ème sens. Bon. C'est l'heure de la multi, je pense. Une dernière single. Allez, on va faire au hasard. Taureau, let's go. Bon. Allez, on va aller sur le cancer, notre espoir à tous. Taureau, tac, gémeaux, cancer. Mais la bannière, elle me traumatise vraiment. Parce que quand tu vois pas ton nom affiché sur la bannière, ça rend fou.
Allez, allez, allez. Mais... Non, mais... Putain. Mais j'en ai ras le cul. Bon. Écoutez. D'habitude, je fais pas... Je fais pas autant de multi, mais aujourd'hui, on va faire 3 multi. Parce que j'en ai marre. Bon, j'attends qu'il y ait une bannière qui passe, comme ça je suis pas spoil. Parce que vraiment, ça me dégoûte. Mais les multis, en fait, ce qui est chiant, c'est que ça dure 2 minutes. Vous voyez, vous lancez la multi, les cartes, ça se retourne direct. Même quand tu passes pas, ça fait tac tac tac. C'est un délire. Bon, allez. Oh là 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 là, pas de bannière. Oh là 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 là, ce jeu. Ouais, je la trouve pourrie l'animation des multis, vraiment. Vous voyez, ça c'est une multi, il y a 10 cristaux qui sont partis littéralement dans le vide. Et ça a duré 3 secondes. Limite, ça dure... En fait, ça dure moins vite qu'une single, limite, parce que la single a fait le tour et tout. Donc, bah voilà pour jour 2. Jour 2, on n'a rien vu. On se retrouve pour le troisième jour des invocations. 40 singles, comme d'hab. Enfin, 40 singles, 40 invocations. Et puis, bon là, on va commencer par des singles. Aujourd'hui, comme vous avez vu, les jours d'avant, c'était pas terrible. On a commencé par des multis, les multis, j'ai jamais rien. On commence par un Andromède noir. On va faire 5 petits singles sur le Gémeaux. Et puis après, on bougera. Bon, là, ça fait... J'ai eu Camus. En gros, là, j'ai fait 80 poules, j'ai eu que Camus. J'ai eu que Camus. Bon, la moyenne, en fait, c'est 1S tous les 40... Je crois tous les 40 poules, maintenant que le taux a été augmenté, en fait. Tous les 40, ouais, 40-50 poules. Je suis en dessous des taux. Je suis clairement en dessous des taux là en fait. J'ai pas eu de S la dernière fois. Je suis clairement en dessous des taux. Bon. Pas d'éclat. Cinquième invocation. Après on passera sur une autre. Du coup on est à 796. Faut qu'on utilise encore 35. Du coup ce qui va nous faire 762. Putain, j'ai pas eu un seul éclat, par contre ça c'est chiant. En fait, si je fais les invocations tous les jours, c'est surtout pour choper les éclats. C'est surtout pour choper les éclats. On va aller sur le cancer. Le cancer, allez, j'ai envie d'aller sur le cancer. Bon, on va lâcher une multi, hein. Mais la multi, elle nous rapporte rien d'habitude. Je vois personne sur la bannière. Ouais, Carlos. Super. Et moi, je suis où, moi? Allez, s'il te plaît. Mais putain, deux shards et que des B. Mais pourquoi ce jeu est même pas? Mais putain, mais... Oh. Mais je vais péter un plomb. J'ai eu deux shards en 15 invocations. Mais c'est un scandale. Mais faut leur soulever leur mère, là. Non, mais sérieux. Non, mais c'est un scandale, là. 10 B et 2... Oh, je me suis fait pisser dessus. Hein. Oh. Je vous ai dit, faut pas faire de multi. Alors, je sais que vous préférez les multi parce que ça va plus vite et que c'est pas vos cristaux. Ça, je le sais, ça. Les viewers, ils préfèrent tout le temps les multi. Mais je vais vous dire la vérité. Maintenant, Osef, je m'en bats les reins. On va faire que des singles. Voilà, c'est comme ça, c'est moi qui le décide, de toute façon. Ah non, mais c'est un délire, hein. C'est vraiment un délire, là. Hein. Je me fais chier dessus, hein. Je me fais chier. En fait, au moins, je me dis, je récupère les chars, tu vois. Mais même les chars, je me fais chier dessus. Putain, ça pop au moment où j'ai fait mon truc, je pensais trop. Bon, je vous avoue, je commence à être salé, hein. Je commence à être salé parce qu'on est quand même sur 100 invocations pour un Camus. Donc là, ça commence doucement à monter. Au début, j'étais calme. Là, je le suis plus. Bon, là, on a un Jamian, mais Jamian encore, je prends les doublons pour le coup. Toujours pas de shard. Toujours pas de shard. Alors ça, ça doit être Xiaoli. Non, c'est qui ça? Ah, oh, Erda. Erda qui sert strictement à rien. Hop, couronne boréale, on va continuer dessus. J'aime bien quand ils font des feintes comme ça, ça fait un giga détour. Ah ouais, Fenrir, il arrête pas de drop là depuis tout à l'heure. Moi aussi, j'invoque, laisse-moi drop aussi, yo. Putain, ça dégoûte, hein. Ça dégoûte le virage qu'il fait à chaque fois. Hein. On va rester sur la couronne boréale. C'est quoi ça? Moses. Moses.
Bon, on est du coup à exactement, bah, sans invoque en fait. On est au sans invoque là. Bah non, quoique, non, je dis n'importe quoi, on a dépassé les sans invoque. C'était 62, j'avais dit je m'arrête à 62. Ouais, on a dépassé les sans invoque. On est à 102. 102 pour un Camus. Ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud. Je vous avoue que là, je me sens pas très très bien. On va aller sur le Sagittaire. On va aller sur le Sagittaire. On va tester ma constellation sur laquelle j'ai jamais rien eu de ma vie. Mais en fait, le truc qui me fait le plus câbler, en fait, c'est le fait de pas avoir de shard. En fait, c'est même pas le fait de pas drop. Hein. Bon, ça, c'est voilà, c'est les taux, c'est ce que tu veux. Mais les shards, ça devrait être un truc garanti, genre pas une single, mais je sais pas. T'en fais trois, t'en as une, tu vois, genre au moins ça, tu vois. Parce que si même les shards, tu les as au bonheur la chance, on va où là? Faut savoir que j'étais à 33 shards avant de commencer les invocations. Hein. Je vais faire 40 invocations, on va voir, je serai à combien de shards à la fin. Je pense pas que j'aurai 2S. Je pense pas que j'aurai 2S aujourd'hui. 15 invoques. On va tout faire sur le Sagittaire du coup. On va tout faire sur le Sagittaire. Nid du dauphin. Ouais, là c'est le moment où je commence à être salé de ouf et j'ai envie d'insulter. Je vous mens pas là, là je me retiens là, je reste courtois mais. Vraiment je. Je suis en train de câbler putain! Mais drop un truc! Mais putain, Xiaoling, on en a rien à foutre de Xiaoling! Et donne-moi des éclats! J'en ai marre! On a combien d'éclats? Ok, on a fait. On est à 30 invocations. On a eu 7 shards. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça pue vraiment la merde. Hein. Ouais, ça pue bien la merde hein, quand même. Hein. 30 invocations pour 7 shards. Je suis bien, bien en dessous de la moyenne. Parce que 2 shards de plus ou de moins, c'est énorme. Hein. Ah mais il veut pas drop hein. Mais d'ailleurs depuis tout à l'heure ça me fait rire. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure j'ai ni char ni A en fait hein. Je crois Marine c'est le deuxième A que j'ai eu là. Enfin le troisième. J'ai eu Cassio. Enfin Cassio non c'est pas Cassio. C'est Cassiope là. J'ai eu Marine. Et j'ai eu Angelian. Donc depuis tout à l'heure j'ai full B. J'ai pas de char. Putain y'a rien qui va aujourd'hui là. Ni du dauphin toujours. Et toujours pas de shard. Bon ma constellation elle est maudite hein. Ma constellation elle est maudite. Mais je vais forcer dessus hein. Je vous jure j'en ai rien à foutre hein. Je vous jure que prochain live je vais forcer dessus encore. Je vais dropper un truc sur le Sagittaire hein. C'est pas possible hein. J'ai jamais drop sur ma constellation. C'est pas normal. Bon, encore 4 invokes. On a rien de la soirée. Ça va faire 120 chats pour un Camus. C'est le moment où je commence à être salé là. C'est le moment où je commence à être salé. Ah non, mais c'est du foutage de gueule les shards là, tout à l'heure. C'est du gros foutage. Mais putain, mais sérieux. Mais, oh, mais quelle catastrophe. Ah, mais ce soir c'était pas mon soir. Hein. Oh là là, ce soir c'est vraiment de la chance négative. Hein. Mais. Ah, j'ai envie de casser l'écran là. J'ai eu 8 shards en 40 invocations. 8 shards, mais c'est ignoble. Mais c'est ignoble, c'est ignoble. Et la dernière qui va se solder par un... Ah ouais, non. Oh.